Un colloque dont le thème est cruellement d'actualité, celui qui s'est ouvert hier à Ouagadougou, victime du terrorisme et solidarité nationale, état des lieux et perspectives. C'est autour de cette thématique que réfléchissent les participants à la rencontre, initiée par le mouvement Teguilim Tamasira, MTT. Réflexion autour du renforcement du dispositif juridique et institutionnel de prise en charge des victimes du terrorisme au Burkina. Issaka Ouédraogo, Ismaël Diloma Sirima. Problématique de la prise en charge des victimes d'attaques terroristes au Burkina. La question est au cœur de ce colloque. Il est l'initiative du mouvement Tengombilum Tamasira. Les participants ont pour mission de proposer des solutions pour renforcer le dispositif juridique et non juridique entrant dans le cadre de la prise en charge des victimes. Il existe des mécanismes qui sont pratiquement un peu limités du point de vue pertinence. Donc pour nous, c'est de réfléchir, il ne s'agit pas forcément de réfléchir comment, où est-ce qu'on peut mobiliser des fonds, mais c'est sur le plan institutionnel et juridique qu'on veut réellement que les choses bougent. Il s'agit donc à travers donc, ici, ce colloque-là de contribuer effectivement à renforcer, bien entendu, le dispositif juridique et institutionnel de prise en charge effectivement des personnes victimes du terrorisme, mais aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs ici représentés et comment renforcer effectivement cette cohésion sociale-là, si chère à notre pays. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des attaques terroristes, très souvent cela a des contre-coups sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble. Et l'actualité est là pour nous donner raison. Et je pense que cette activité n'est pas du trop. Cela tombe à point nommé et permettra effectivement, avec l'ensemble effectivement des acteurs ici représentés, pour qu'on puisse se pencher davantage sur la question de la prise en charge des personnes victimes de terrorisme, pour qu'on puisse davantage se pencher sur la question de cohésion sociale qui est si chère à notre pays. Des communications et des interventions de certaines victimes d'attaques terroristes sont prévues au cours de ce colloque. Le mouvement Tengombilum Tamasira est une organisation de la société civile créée en 2018. Il entend contribuer à l'éveil de la conscience citoyenne et à la promotion de la culture démocratique au Burkina.